subtil, elfe. Que voulez-vous ? Putain, il y a trop de monde ici, c'est un truc de fou. Je vais peut-être récupérer mon merdier dans mon tonneau, là. À force d'éparpiller mes affaires, ça va pas le faire. Bon, allez, je prends tout. Je suis juste à côté, en plus. Ah, j'ai tout pris d'un coup, là ? Ah oui, je crois que j'ai tout pris. Oh, putain. Oulala. Oulala, c'est lourd. C'est lourd, Lydia ! C'est très lourd, même. Vite ! Passez-vous souvent dans le quartier des nuées ? Mais oui, j'y passe souvent. Oh, mais... oh la vache. Oh, il m'a fallu des années. Mais putain, mais pourquoi quand il y a un mec qui me parle, il rentre là ? Casse-toi ! Je possède la ferme de Sillon Frais. Lydia, tue-le ! C'est un commerce très prospère, vous vous en doutez. N'importe quoi, le mec il est là pour me dire ça. Merde. Merde, merde, merde. Bon bah, le coffre, par contre, ça me fait bien plaisir. Oh, attendez, il y a quoi là ? Oh, du fromage ! Ah ah. Bah écoute, moi et Lydia je dors ici parce que le toit a l'air plus solide. Et toi tu dors dans la maison des araignées ou par terre comme tu veux. C'est pas mon souci. Méchant, méchant, méchant. Bon allez, je vais ranger définitivement mon merdier. Alors, putain, quel con. Donc, les ingrédients, voilà, les ingrédients. Tout ce qui est ingrédients, je vais le foutre voilà, là-dedans. Puisque techniquement, moi, ce que je veux, c'est que de la bouffe préparée. Si j'ai pas de bouffe préparée, c'est tant pis pour moi. Il faudra que je m'achète une cuisine, d'ailleurs. Alors, hop, hop, hop. Ça va faire le grand nettoyage, vous allez voir. On va pouvoir transporter plus de trucs. On sera plus jamais dans le besoin. Ça va être énorme. Ça va être épique, même, je dirais. Attendez. Ah non, merde, le sel de givre, c'est un truc spécial. Ok. Ok, ça c'est bon. Mes bouquins, tant qu'à faire, je peux les... Bon allez, ça va me faire de la lecture. On verra si j'ai besoin de trucs un jour. Les clés, ça coûte rien. Le balai pour chez moi, je le garde. Les bandes de cuir... Enfin, je garde quand même les bandes de cuir. Améthyste, je garde. Assiette en bois, bol en bois, une chope. Ça, je... Oh putain, regardez-moi les défenses de mammouth, quoi, sérieux. Hop, la pokéflûte, ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Sérieux, pour le moment, j'ai pas besoin de tout ça, on verra après. Les grenats parfaits, lanterne, lingot, lingot, hop, hop, hop. Voilà, les minerais, putain, non, mais les minerais, sérieux. L'or, je garde, l'os de dragon. On va garder tout ce qui est truc de dragon, parce qu'apparemment, c'est pas commun. Peau de chevreuil, hop. En même temps, ça me permet de faire un peu l'inventaire de tout ce que j'ai. Hop, 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 hop. Ok. Je garde une torche au cas où. Bah oui, c'est assez utile quand même. Encore ? Mais non. C'est bon là, je peux courir maintenant. Si j'en ai envie. Ok, la nourriture par contre... quand même, 54 choux, ça pèse. Hein. On verra, on verra. Donc les parchemins, ça pèse que dalle. Les potions, on verra aussi. Ça, ça. Mais non, mais de toute façon, les... Attendez, est-ce que j'ai une amulette? Oui, j'ai le collier ensorcelé, donc... cette amulette-là, de Kinef. Hop, 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 hop. Des bottes légères, je garde. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, je verrai, ça me fera une réserve d'argent, hein, si jamais... Putain, non, mais sérieux, quoi. Oh là là. Et ce collier. Ce collier, il coûte super cher, quoi. Ah, mais c'est un truc magique. Ah, mais c'est une armure lourde. Ouais, attendez, je... je sais plus trop quoi prendre, là. Robe d'altération minime. Je garde mon truc à capuchon, au cas où. Hop, hop. Et hop, voilà, et au niveau des armes, voilà, bof, ça je m'en fous, les bâtons d'outre-tombe, putain au final j'en ai plein, moi qui avais peur que c'était rarissime et tout, même pas, même pas, même pas, espadon d'or que je crois que c'était un truc à deux mains, hein. Ouais, et ça je le range aussi, putain comment ça se fait que je pèse aussi lourd, je crois que c'est la bouffe.
C'est la bouffe. Attendez. Je vais me débarrasser de moitié chou là. Ah ouais, quand même, 7. Putain. Ça pesait lourd, hein. Pommes de terre, c'est pareil. Haillons. Ouais, pas beaucoup. Putain, je dois transporter des tonnes et des tonnes de trucs. Ça a l'air ouf. Ah, c'est le vin. Merde, attendez. Putain, je crois que je l'utilise en fait. Quel con. Oh, mais quel con. Putain. J'ai dû utiliser la moitié de mes pommes de terre. Ah. Et, ah putain, j'en ai marre. Je vais finir alcoolique. Les trompes de mammouth. Non, mais sérieux. Ça pèse lourd et je sais même pas à quoi ça sert. Et hop. Voilà. Et les tomates. Putain, mais ça sert à rien. Et hop. On va se débarrasser de tout ce merdier, voilà. Et puis je pense que c'est bon. Ouais, ça ira. Très bien. Alors, ma petite Lydia. Je suis content. Il y a... Voilà, on a avancé. Une petite save. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Putain, et où la save? Allez, là. Voilà. Mais la vie est... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va se télézapper directement à mon truc des voleurs. Je veux plus jamais y retourner là-bas. Voilà. Parce que j'ai encore des trucs à récupérer. Et que si jamais je le laisse, et ben ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Oh putain, il y a des cailloux. On va faire gaffe. Ça ne me dit rien qui vaille. Moi non plus. On va faire gaffe. Ça se trouve, ils sont revenus entre temps. Ok, eux, ils sont toujours là. Attention. Ouais, non, c'est bon. Ok, donc, est-ce que ce tonneau était vide? Oui. Attention, Lydia, on sait jamais. Ok, donc, tout prendre. Et en plus, je suis pas full. Très bien. Bon, c'est bon, je crois, Lydia. On peut se casser d'ici. Officiellement, cet endroit, j'en ai plus rien à cirer. Allez, c'est parti. Voyons voir. Voilà. Au revoir, Lydia. Non, sérieux. Faut que je lui ouvre parce qu'elle serait bien capable. Voyons. Oh, elle ouvre la porte toute seule. Bravo. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose dans le coin? Alors, solitude, sûrement pas. Attendez, je vais voir au niveau de mes quêtes. Est-ce que j'ai quelque chose à faire à Rivebois? Donc, ça non. Putain, les quêtes... Allez, on va faire dans les divers. Alors, bref, non. Donner les selles de givre à Arcadia, non. Récupérer la... Hein. Putain, je sais même plus des fois qu'est-ce que c'était le truc... La vache, alors attendez. Les sombrages, non. Non, sûrement pas la Légion Impériale. Mais je veux surtout ranger mon merdier, quoi. Sérieux, j'en suis à combien? Putain, que ça seulement. Bon, écoutez, on va à Blanche Rive, ok? On y va à pied ou en téléportation, je sais pas. Ah la vache. Bon, allez, on y va rapidement, mais c'est juste histoire de récupérer mon matos, c'est tout. Après, stop. Attendez, c'est quoi ces conneries? Merde, chez Blanche Rive. Putain, quel con. Rivebois, j'ai dit. Bon, c'est à côté, ok, mais... Enfin, quoique. Oulala. Voilà, c'est ici. Ah putain, je me... J'espère que la notion du temps n'a pas une trop grande importance, du genre, si on fait attendre trop longtemps les gens. Par Shor, que voulez-vous? Non, il n'y a pas de belle poitrine ici. Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a vu des terres non, lointaines. Non, pas toi, je préfère ma Lydia. Dites-moi ce qu'il vous faut. Ça ira. Si c'est simple et solide. Ah. L'avertissement, ok. Alors, attendez.
Putain, j'en avais rangé des trucs ici. La vache. Voyons. C'est bon. Ok, on est opérationnel. Alors. Bon, allez, on y va à pied pour le LOLS. C'est par où? C'est par là, ok. Bon, et Lydia, on y va. Peut-être qu'on va croiser quelque chose sur le chemin. Ah, puis après, moi, je pense que je ferai une petite pause parce que je suis bien content, là. Là, j'ai une situation un peu plus officielle. Je sens que ça va aller qu'en s'améliorant, même si les ennemis vont être de plus en plus coriaces. Mais avec ma Lydia, je pense que ça va aller. Je ferai en sorte qu'elle crève pas et puis au pire, je me débrouillerai en solo. Elle, je veux pas qu'elle crève. Je veux absolument pas qu'elle crève. Ça serait con et ça serait méchant surtout pour elle. Elle est toute mignonne. Elle est où d'ailleurs? Pupus, t'es où? Bah où qu'elle est? Bah j'ai perdu de vue. Youhou! Attendez, elle est où? Putain, ça commence pas les conneries là-haut. Où est-ce qu'elle est? Ah! C'est elle? Qu'est-ce que tu fais? Tu tires sur quoi là? Sur quoi elle tire? Oh putain, d'accord, j'ai compris. Oh la vache! Putain, elle voit tout de loin, elle. Truc de fou, là. Ouais, je vois rien, moi. D'accord, c'est ce vieux crabe à la con. Genre ça fait mal ce truc de merde là. T'es vilain. T'es vilain. Et arrête de gaspiller. Putain, elle va gaspiller ses flèches pour cette merde. Putain de vieux crabe à la con. Allez. Boum. Voilà. T'es content? Le truc qui sert à rien. Mais putain, je me fais emporter par le courant, c'est quoi ce délire? Voyons, on emmène où là au fait? Bon Lydia, t'es où? Ma belle, elle est où? C'est vrai que je peux lui donner des armes aussi, il faudra peut-être que je l'équipe. Ah, je pourrais peut-être lui donner les trucs dont je veux pas, genre les épées à deux mains ou des trucs comme ça. Ah, ça pourrait être pas mal. Ouais, Lydia, dépêche-toi, je me fais emporter par les courants là. Putain! Ça va. Lydia! Putain. Ah là, je sais même pas où je suis là. Aïe. 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 Ouh, attendez, c'est quoi ce village? Eh mais c'est Blanche Rive. Mais parfait. M'y attendez pas. Non mais c'est juste à côté en fait. C'est parfait. Ah, il faudra que je m'achète un canasson aussi. Ah, c'est l'hydromêlerie d'hydronin, je sais pas quoi. Oh putain, ici c'est le truc de la boisson, là. D'accord. Voyons un peu. Non, j'ai pas la clé. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah, elle est là-bas. Elle est là-bas, la petite. Très bien, bah je visiterai ça plus tard, j'ai pas le temps. Ah putain, il faut que je range. Des coffres, des coffres et des coffres. Je pense que j'ai rien d'autre, j'ai rien laissé d'autre. Non, je pense pas. Je crois que le prochain truc que je ferai, c'est un truc de compagnon. Ouais, si. Il faut que je fasse les trucs de compagnon. Ok. Donc là, hop. Putain, je suis bloqué. Faudrait aussi que je m'achète un cheval. Ah putain, il me faut un petit cheval là. Ça me ferait bien plaisir, même si j'ai peur qu'il crève à cause de... Bah, à cause d'une embuscade ou je sais pas quoi. J'espère pas. Vous avez besoin d'un cheval? Allez voir Skolvar. Ah oui, le voilà. Vous voyez, ce cheval-là, il me le faudra, mais bon. Il y a ces histoires de dragons. Ce petit
Faut-il vraiment que ces êtres anciens soient revenus? Hein? J'aimerais pouvoir dire que je n'y crois pas, mais on a repéré des dragons aux quatre coins de bord de ciel. Oh, il a de la moustache, celui-là. Frendar, aie pitié de nous. Oh la vache. Quelle malchance que cela arrive maintenant, alors que nous essayons de gagner notre vie. Ah. Nous avons de la chance. Nous voyageons léger et nous pouvons nous échapper en un clin d'œil. Nous n'avons pas de maison qu'un dragon puisse réunir ensemble. Bah écoute, J'éprouve de la pitié pour ces nordiques. Ils perdront tout quand les dragons attaqueront leur ville. Vache. Et nous perdrons des clients. Je monte juste la garde. Je n'ai rien à vendre. Ils n'ont pas trop mauvais caractère. Oh putain, elle m'énerve, elle va me couper mon dialogue. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Quelle vision étrange que ces grosses poussières blanches qui tombent parfois du ciel. Ça s'appelle de la neige. Et la furtivité, non. Route vous conduire vers les sables chauds. Non, merci. Toi, là. Nous sommes bien loin des sables chauds. Cet endroit est d'une grande beauté. Effectivement. Bon, arrêtez de parler tous en même temps, vous me saoulez. Vous croyez à ces histoires de dragons ? Je peux pas voler le tapis. Vraiment que ces êtres anciens soient revenus ? Oui, ils sont revenus, je les ai affrontés, putain de merde. Oh, ils sont en train de répéter la même chose. Oh là là, je commence à en avoir marre de cela. Bon, est-ce qu'il y a une entrée par ici? Ah bah oui, une entrée. Dis donc, c'est quoi cette entrée là? C'est quoi ces cachotteries? Ça sert à quoi ça? Ça sert à rien? Lydia, tue l'architecte qui a fait ça. Mais elle va où là, Lydia? Ok, si elle veut. Bon bah, ok, on continue, hein. Ah, bientôt je vais pouvoir enchaîner les quêtes annexes sans forcément passer en mode clochard. Ça, c'est bien. Ah, et ben voilà. Maintenant, je vais pouvoir... Ah, putain, je vais pouvoir m'installer comme il faut. J'ai combien d'or? 97 seulement. Putain, je peux rien m'acheter. Ah, en plus, ma maison est pas spécialement belle. Enfin, si, l'accueil, mais... Enfin, voilà. Le début, mais après... Bon, c'est moyen. Ces moyens dirons-nous. Alors. Donc là, je vais déposer encore un tas de trucs qui ne servent à rien. Alors, hop. Putain, mais sérieux, quoi. Ça, Non, mais putain, je vais pas faire partout parce que... Merde, non. Attendez. On va la faire comme ça, malheureusement. Assiette, botte de fer, putain, non, mais sérieux quoi, j'en ai marre, carte au trésor. Attendez, ça je pense qu'on va le faire. Ouais. Les clés, Corindon, des crânes de troll, crépuscule sur sentinelle. Ah, c'est une grosse épée surtout que je voulais poser. Les gantelets de fourrure. Gantelets de fer. Et les gantelets de fourrure, j'imagine. Putain, ils sont où? Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça, je dépose aussi. Putain, non, mais sérieux, c'est... C'est trop chiant hein, de me regarder faire ça, hein? Hein, vous pouvez pas blairer. Hop. Ah bah, ça me fera de la lecture, c'est cool. Je prends. Enfin, je garde plutôt. Voilà. Note à Rollark. Est-ce qu'on l'a lu celle-là? Je sais pas du tout. Des œufs de poule, des œufs de fauvette, des œufs d'araignée. Pour l'instant, ça... Mais putain, je suis pas en train de manger là? Non. C'est bon. J'ai eu peur. ça c'est bon, je pourrais le garder au cas où. Le petit pain. Allez. Potion. Non, c'est bon. Voilà. Ok, donc oui, donc la carte au trésor, voyons un peu. Livre. Oui, je vois où c'est. Riverwood égale Rivebois. Ok, c'est sympa, mais... Bon, écoute... Allez, on y va pour le lol. Allez, c'est parti ma petite Lydia. Ah, je suis bien content en tout cas. Ah, oui. Allez, on va noter Rivebois et c'est parti après.
Je fais ma pause et puis on verra pour la suite des événements. C'est juste histoire de faire la transition. Maintenant, on est bien installé, c'est cool. J'ai enfin un toit, je suis content. Putain, c'est où Rivebois déjà. Voilà, c'est ici. Non, repère. Marque repère, ne prenez que le meilleur. Putain, c'est nul. Allez. Et ben voilà, le mage. Ah oui, évidemment qu'il a plein de sorts, le mage. Il a des sorts tellement overpower que je suis incapable de m'en servir. Hop. Oh putain, ce saut de kamikaze. Merde. Encore une fois, clairvoyance. Allez, c'est parti. Il me faudrait vraiment un cheval. Il me faudrait vraiment un cheval. Ça m'étonnerait que ça coûte que 100 pièces d'or. À mon avis, ça coûte 1000. Ah, putain, la vache, c'est cher, quoi. Donc, plein de gardes. J'espère qu'il n'y aura pas de dragons ou de trucs comme ça. Tiens, d'ailleurs. Putain, c'est énorme. Bon, faudra que je fasse gaffe par contre avec cette merde, parce que si jamais cette je touche quelqu'un... C'est aussi absurde que la querelle qui nous oppose au clan Gristois. Vous avez besoin de quelque chose? Non. À la différence des autres membres de ma famille, j'ai affaire. Ouais, ouais, je m'en doute pas. J'en doute pas. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais oui, c'est l'hydromêlerie, hydromain, je sais pas quoi. Ok, donc là c'est bon. On va essayer de passer par, par là où vous savez, et puis... On va essayer de trouver ce fameux trésor là. Le courant est trop fort. Putain, est-ce que je peux... Non, trop puissant là. Beaucoup trop puissant. Elle m'a pas suivi là, Lydia. Non, ne me suis pas. Surtout ne me suis pas, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Passe par le pont, c'est mieux. Qu'est-ce qui... Oh putain, mais quel con celui-là, mais quel con, tu vas crever. Tiens, attendez, capture d'âme, destruction. Ok, alors attendez. Putain. Ah, j'ai pas assez de magie. Oui, oui, si tu veux. Voilà, je t'ai touché. Quoi? Ok, et du coup... Ça fait quoi? Ça la tue en un coup. Ah putain, mais non! Toi, je vais t'enlever ton arc. Fais gaffe. Je vais te le confisquer bientôt. Putain, mais elle me l'a tué avant même que... Ah, fait chier. Bon, bah ça, c'est cool, par contre. Attendez, je peux le fouiller? Non, c'est du lisse. Putain. Ah, attends, Lydia, t'attaques n'importe comment là, fais gaffe. Putain, je suis obligé. La suivre. Et d'y faire gaffe. Voilà, saloperie. Atronach de feu, du sel de feu, très bien, je prends. Quoi? Oh putain, d'accord, il explose. Oh la vache. Oh putain, il est enflammé. Attends, je vais lui faire prendre un bain, tu vas voir. On va voir s'il est toujours enflammé. Ah non, il est plus enflammé maintenant. Mais c'est quoi cette merde? Tu vois? Ah mais attendez, c'est une femme? Je veux la voir. Putain, mais je veux voir le visage de mes ennemis, là. Oh la vache. Ah ouais. Putain, le chara-design, il est... Ah, il est ouf, quand même. Attendez. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oh putain, la main en forme de serpent ou de je sais pas quoi, de dragon, là. Putain. Oh la vache. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux la ressusciter, celle-là? Ça serait pas mal. Non, trop fort. C'est pas grave. Voyons, on y va. Oh putain, en plus elle est légère.
Je sais pas du tout où on va suivre le chemin. Merde, je l'ai perdu. Bon allez, on y va ma petite Lydia. Ce qui est bien c'est qu'elle attaque... Oh putain, oh, ça ferait presque peur ce truc, dis donc, stop. Je vais suivre ma petite Lydia et puis voilà. Putain. Merde. Allez, crevez. Voilà, c'est bon. Voilà. Elle se défend pas mal. Bon, Riverwood, c'est par où? Putain, c'est pas du tout par là. Magie, clairvoyance. Oh putain, c'est trop loin. Bon écoutez, moi je vais faire ma pause ici, je pense. Et on se retrouvera un peu plus tard pour cette fameuse chasse au trésor. Allez, bye bye. D'abord ma petite save au cas où ça plante, et puis voilà.